Ok les gars, il est 9h du matin, Blockstream vient de sortir un trailer. Je me suis dit, je suis obligé de réagir. Les gars, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi en commentaire, écrivez un petit commentaire, et puis j'en referai, si ça vous plaît. Et les gars, on est parti, Sword Rework Sneak Peek plus Showcase. Là vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis obligé de faire la vidéo, donc c'est parti. On va pas perdre plus de temps. La musique, elle est copyright, c'est obligé. Ouais, ouais, c'est bien copyright, ça. Attendez, ça, c'est les épées de Zoro, je crois, ça. Non, c'est quoi, ça? Attendez, ça, c'est le... Non, mais dis-moi, c'est le triple katana simple. Quoi, ça? Non, ça, c'est le... Ça, c'est l'épée d'Arlong, ça? Ah ouais, ils ont fait un move en mode tourner comme j'ai... C'est la Rengoku, ça. Oh là là. Ah ouais. Non, les graphismes, ils se la sont donnés, hein. Ouais, je dirais, on est sur un jeu de... Wesh. Non, les gars, c'est trop une dinguerie, hein. L'update 20, c'est le pic, hein. C'est quoi ça? Non, mais regardez-moi la OE, wesh. Wesh, il y a plus d'AOE qu'un fruit du démon. Ça, c'est bien les TTK, ça. Il y a une épée qui a l'air d'avoir changé. Quoi ça? Non, les gars, dites-moi si vous voulez une vidéo où j'achète toutes les swords et je les showcase. Après l'update. Ça pourrait être intéressant, en vrai. Ok. Il y a une épée de Genshin Impact, là. C'est quoi ça? Wesh! Ah ouais! Ils ont rework ça, hein. Guettez-moi ça. Waouh! Wesh! Non, les armes, elles sont trop incroyables, wesh, je dirais un Genshin Impact, les gars, wesh, je suis sûr qu'ils s'inspirent de Genshin Impact, là, en vrai de vrai. Wesh. Oh, ça, c'est... Oh! Non, mais dis-moi, c'est la Dark Blade, ça. Mais si, c'est la Dark Blade. Oh, ils l'ont... Oh, ils l'ont changé, du coup. Ok, ok, peut-être qu'ils allaient se faire copyright. Ah ouais, elle est belle, hein. Non, les animations et tout avec les... Non. Non, mais les mecs, imaginez les fruits, quoi. Ça, c'est juste les armes, il y a deux moves. Imaginez... Attendez, dis un truc. Anyways, keep the Dark Blade rework. Look at how this looks, man. Ah ouais, donc c'est bien la Dark Blade. It okay. Looks so much better, and it has a custom pose too. I'm gonna get ouais, it les custom poses, c'est une dinguerie. Ils ont pas changé le Quiet Rush là. Ok. Ouais, c'est des petites animations stylées. En même temps, c'est oh stylé ça. En fait, c'est la dernière attaque des TTK ça. Ah ouais, ça va vite hein. Très très vite, ça c'est le Cutlass. Ils ont pas fait d'attaque personnalisée, je crois. Ouais, c'est les mêmes. Ça c'est les Triple Katana. Non, c'est trop une dinguerie, wesh. Wesh, guetté. Ça c'est juste les Triple Katana. Donc ça c'est le premier move. Oh là là, il nous fait un Onigiri de malade mental. Ça j'aime trop. Il fait la même pose que Zoro. C'est trop une dinguerie. Ça c'est carré. En plus, tu peux combo avec. Ça c'est le Kiribashi, mais c'est pas possible. Ça c'est le Shark Soul. Oh, c'est trop. Ok, première attaque. Passe à la deuxième, s'il te plaît. Et ça, bon ça, force à toi, hein, si tu veux le caler en PVP ou quoi. Et c'est stylé quand même. Essaye de voir le sable de Shanks, là. Parce que si le Shark Soul, il est rouge comme ça... Ok, c'est quoi ça? La masse, déjà, elle était déjà bien. Ok, donc ça, c'est le premier coup. Et donc, ça va vers l'avant. X, ok. Ça, c'est... Non. Wesh, c'est TP. En mode, il disparaît, il réapparaît à un endroit. Et ça, c'est la tornade. Bon, la tornade, les frères, wesh. Ok... J'essaie de voir s'il n'y a rien d'autre autour. Oh, ça, c'est le trident. Ok. Ouais. Est-ce que ça va faire comme le... Est-ce que... C'est... Non, ça n'a pas l'air de faire comme le spiky trident. Ouais, c'est un spiky trident avec un décalage un peu. Ok. Et le... En tout cas, c'est déjà mieux que la version de base. Non, les effets, ils sont incroyables, par contre. Ok. Et ça, c'est le X. C'est une explosion. Ouais. Ok. Donc, de toute façon, c'est déjà mieux que le premier de base. Ok. Soul Cane. Oh, ça m'intéresse, ça. Non, tu mens. Ça gèle maintenant. Heureusement, j'ai pas encore fait Brook. Ok, la pipe. Magnifique, ça. Mais c'est trop, ça. Ils avaient sneak un peu la pipe. Il y avait un gros move, je crois. Oh, c'est un dragon. La vite. Oh, c'est quoi, ça? Oh, c'est ultra fort. Oh là 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 là. Les armes vont avoir une utilité maintenant. C'est plus des trucs sur le côté, juste pour la collection, quoi. Long sword, c'est quoi, ça? Mais il a rien dans la main, là. Ouais. C'est une nouvelle arme. Ah ouais, wesh. Non, c'est la longue sword, mais je suis un ouf. Wesh, jure. Non, wesh. Non, ils sont trop forts, les gars. Les gars, wesh. Oh là là, ils m'ont réveillé. Non, ils sont trop forts. C'est l'arme de l'amiral et des plantes, là. Wesh, c'est quoi, ça? Ok, le gîte. Ah ouais, non. Les armes, c'est vraiment devenu une part entière, là. Ça, c'est la Gravity Cane. Fumant, sale TP, sale TP sur toi en mode, ça l'aspire, mais ça va jusqu'à où? Montre-nous, ça va jusqu'à où, je t'en supplie. Non, il nous montre pas. Ouah, non, ça c'est trop une dinguerie. Oh là 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 là. Non, ils se sont tellement inspirés de Genshin Impact, par contre. Je sais pas combien de fois je vais le dire, mais c'est réel. Hein. Mais en tout cas, c'est pour le mieux, parce que Genshin Impact, c'est vraiment pas mal au niveau des armes. Ok, donc ça c'est la Dual Headed Blade. Nice. Il charge ça.
Bam. Bon, ça, ouais. Oh, ça, c'était une arme de sous-côté de fou, ça. Ouais, ça, elle était tellement sous-côté. Ouais, ok. Yes. J'ai la première attaque, c'est un peu pas... Oh, là, 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 j'ai passé la deuxième. L'arme est devenue banger. Elle était déjà banger, mais là, elle est encore plus banger, là. Non, mais frère, mais là, tu vas toucher toute la planète, frère. C'est quoi ce truc de zinzin? Yama! Yama, Yama! Ok, le premier look, c'est le même, mais avec un rework. De toute façon, il était déjà bien. Et le... Non, wesh, s'il vous plaît, mais tu vois que c'était le X. Et faites un effort, c'est pas le... Oh non, c'est pas le X. Oh lolo lolo, waouh. Waouh, ça tourne bien, dirait Tactic Inazuma, frère. Wesh. Waouh. Non, il va mettre plein les yeux, là. Wesh, non, mais Bloxfree, wesh, depuis quand vous faites ça, là? Ils avaient ça en stock, hein. Oh, ok, Tushita. Ok, la rafale, c'est à peu près la même, ok. C'est juste un petit reward graph. C'est trop beau, wesh. C'est trop beau, le X. Oh, là, c'est les meilleurs slash pour l'instant. Et le Spike Trident. Le Spike Trident, les gars. Ok, ouais, changez le pas, il était déjà fort. Changez le pas, ouais, changez juste un peu l'animation. Et ok, ça le ramène avec du dos maintenant. Nice. Ok, oh là là. Oh là là. Si, je crois que le gars, le trident, c'était... Oh, attendez, j'y suis. Nice. Ok, oui. Ok. Oh non, mais c'est trop beau, hein. Et le focus shot. Oula. Wesh, vas-y, faites le plus petit aussi, le bail aussi. Il était déjà petit. Bon, ça a l'air d'aller grave loin, là. Il le charge. Je crois qu'il le charge aussi. Ça, c'est la Sage. Je m'attendais, mais ça me fait penser à d'autres jeux, en fait, là. Ça, j'ai déjà vu ça dans un jeu, hein. Genshin Impact. Oui, voilà, je le dis. Ils ont tout pris de Genshin Impact. Ah, non, là, il me régale. Le sabre. Ok. Attendez, mais fais ça bien, frère. Wesh, tu sais pas choquer, ou quoi? Et wesh, attendez. Premier move, c'était quoi? Ok. Ah, ok, donc c'est deux slash. Un slash qui fait deux bails et un autre qui fait truc comme ça. Ok, ouais. Un peu déçu quand même, hein, c'est le sable de Shanks. Mais bon, bref. Attendez, est-ce qu'il y a un peu de feu? Donc la Rengoku, c'est trop. Guettez ça. Bao. Ça le brûle en plus. Oh là là. C'est une cinématique aussi, ça, frère. Non, mais imaginez les fruits, je vous en supplie, les gars, par pitié. Imaginez les fruits. Oh là là. Non, mais ça, c'est trop fort aussi, hein. Ça, c'est la Buddy Sword. Oh, il charge ça en mode Rengoku, Kyojin. Wesh, il a fait un truc à l'écran, wesh. Wesh, non. C'est trop. Non, je vais péter mon calbo, hein, les gars. Ok, le pôle V1, on s'attend à rien. Ça, c'est une arme un peu éclatée de base. Oh, j'aime bien, il fait tourner ça un peu. L'animation, c'est clean, par contre. Et le nuage, ouais, bon. Oh, le pôle V2, ouais. Ok, deux éclairs bien droits, comme avant là. Ah ouais, ah, la prison va être beaucoup mieux là par contre. Ça va un peu à la... Ah ouais, pour le rattraper avec un autre bail d'une attaque. La Midnight Blade, c'est ça la Midnight Blade. Allez, donnez-lui un peu de force là, parce qu'elle avait plus de force. Ok, bam. Oh là. Oh, ça c'est la... Ah ouais, non, ça c'est fort. C'est fort parce que le mec il part pas si loin que ça. La Midnight Blade utilisable en PVP? Dites-moi les gars, quelle arme vous préférez pour l'instant en commentaire. Attendez. Oh là là, la coco. Non, me déçois pas sur le injection shot, je vais te... Hein? Allez. Là, c'est incroyable. Incroyable. Non, c'est insane. Ça a l'air d'être bizarre à caler. La Bicento. C'est la V2 ça, mais ça fait les mêmes trucs que le mammouth. Merci beaucoup. Ok. Allez, la Quake Sphere, me déçois pas. Oui. Let's go, ils l'ont fait sur l'arme. Enfin, c'est ça la Bicento de base, hein. C'est avec le Quake de base. Allez mon gars, fais que ça soit jouable en PVP. Oh yes, ça l'expulse pas loin. Et la tornade, ça l'envoie où? Ça l'envoie en haut. Non, ils ont géré, j'espère juste que ça change de couleur avec le haki. Juste. Oh, il y a plusieurs attaques. Ah non. Non, ok, c'est la tempête, mais elle va giga loin. Ok, c'est anormal. Ouais, qui aurait cru qu'ils auraient rework la Dark Blade comme ça? Ok, classique. Ça n'a pas trop changé, la Dark Blade, elle était déjà forte, je crois. Et le X. Ok, là, il est bien près du sol, hein. L'animation, elle est bien belle aussi, hein. Oh, jure, il cherche ça. Non là, wesh. Le mec, c'est impossible de l'esquiver. Wesh, comment il cherche ça en mode, il va te casser, wesh. Wesh, ça va faire des films dans le bail. Ok, et qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, t'inquiète, j'ai bien enjoy. Ok, y'a rien à la fin. Oh, heureusement, j'ai regardé à la fin. Regardez. Et wesh.
écrit release in the next video. Heureusement, je suis resté jusqu'à la fin, ok. Bon, incroyable, incroyable. Release date in the next video. Ils peuvent pas nous rework les swords et pas nous rework les fruits. Donc les gars, likez, abonnez-vous, dites-moi si vous aimez ce format. On est paré pour le D20, les gars. Vous inquiétez pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.